Vendredi 9 mars 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial, c'est là, sous Média Haïtien, en collaboration avec VOA Creole, depuis Washington, D.C. Actualité à concernant pays d'Haïti, virement des situations dans le dossier Premier ministre Ariel Henry à cause américain, qui dans un premier temps, t'es fait qu'on est, yo pas exigé Ariel Henry pour le démissionner et gagner Anthony Blinken, qui c'est secrétaire d'État américain, qui fait qu'on est vraiment, il était parlé avec Ariel Henry dans le téléphone, côté il était exigé pour lui-même, l'État faciliter une transition pour mettre un conseil présidentiel dans tête pays d'Haïti. Si dans le temps, gagnait Karine Jean-Pierre, qui c'est porte-parole Maison-Blanche, même Jean avec Kirby, qui t'apprend le fait qu'on est, mesdames et messieurs, les États-Unis, pas de jambes, exigé Premier ministre Ariel Henry pour le tirer mais démission, eh bien, je dis à la Anthony Blinken lui-même, lui avoué qu'il t'a parlé avec Ariel Henry selon Miami Herald, qui sont journal floridien qui basé dans l'État américain. Yo, mesdames et messieurs, qui fait qu'on est secrétaire d'État américain Anthony Blinken vraiment parlé avec Ariel Henry pendant le temps exigé Ariel pour démissionner. Premier ministre haïtien lui-même t'a décidé fait tête raide côté li pa décidé là pour lui-même li te remettre démission. Une situation vraiment qui est compliquée dans moment nous-même n'a parlé là côté autorité CARICOM yo déjà prend toute disposition pour que mesdames et messieurs yo capable faciliter une transition côté un conseil présidentiel a gagné pour remplacer Premier ministre Ariel Henry qui dans tête pays d'Haïti depuis année 2021 après assassinat et président Jovenel Moïse et juste avant assassinat ici là Jovenel Moïse t'apral nommé Ariel Henry comme premier ministre mais après assassinat là lui-même li t'apral vraiment rentré en fonction côté c'est seulement lui-même n'a parlé de Ariel Henry qui t'a dirigé et pays ça comme premier ministre pas de gagner président sous tête li et lui-même qui te promette pour lui-même là n'a parlé de Ariel Henry pour le te fait élection dans le pays d'Haïti selon accord 21 décembre 2022 dans article 20 Ariel Henry qui c'est premier ministre te dit il a fait élection fin année 2023 pour capable remettre pouvoir 7 février 2024 qui saute passé là et bien ça qui pas arrivé fait premier ministre te ouais il dans incapacité pour organiser élection et bien dernier et vague violence dans le pays d'Haïti exigé premier ministre Ariel Henry n'a campé loin à cause de monsieur Arméo qui est pas suspendu fait une série attaque sous quelques institutions dans le pays d'Haïti parmi aéroport international Toussaint l'ouverture côté diverses compagnies aériennes décidé pour pas voler en direction pays d'Haïti pendant premier ministre lui-même l'été dans terre étrangère ça qui compliqué arriver premier ministre d'Haïti dans pays a et bien faut que nous dire acteurs politiques yo pas bon ici dans dossier ça toujours pour capable entendre pour joindre et vraiment qui est ce qui t'a dû faire partie conseil présidentiel ça cap bien pour remplacer premier ministre Ariel Henry dans tête pays d'Haïti et bien gagné divers noms là qui déjà et bien soulevé et sous table là comme quoi pour capable et fait et partie conseil transition ça ou encore disons conseil présidentiel pour remplacer premier ministre Ariel Henry dans tête l'État jusqu'à présent acteurs politiques yo pour qu'on mette yo d'accord sur ça et information fait quoi si dans le week-end ça là et bien acteurs politiques yo pas joindre une entente pour yo même yo capable et voyer document ça by CARICOM il y a toujours vraiment ouais c'est international là Calvin alors et bien imposer yo un gouvernement toutefois gagné Moïse Jean-Charles lui-même qui sorti dans silence pour le dire c'est kounya liwe haïtien et vraiment pas de jambes remen pays d'Haïti après un tweet leader parti politique petite Dessaline nan fait sur réseau social Facebook li fait qu'on est mesdames et messieurs au lieu pour que acteur politique yo ta chita pour joindre une solution à l'haïtienne yo préféré yo même y a tande recommandation blanc au lieu pour yo ta eh bien joindre entente si là que divers acteurs a bay position sou li mais yo pas arrivé
arrivé joignon, ça qui laissait un espace pour un pile critique vini bon côté on dit à l'encontre leader politique en Haïti, acteur politique yo, vraiment selon un pile monde qui pas gagné alternative pour remplacer Ariel Henry dans tête pays d'Haïti. Une situation n'a suivre avec un pile intérêt. Entre-temps, gagné non Fritz Alphonse Jean dans Akon Montana avec Steven Benoit cap cité comme quoi qui t'a dû faire partie et conseil présidentiel ça, mais gagné vague violence qui pas suspend dans pays d'Haïti côté monsieur Arméo continuer à faire parler et deux fosio et gagné chef gang Jimmy Cherizier qui est c'est lui-même porte-parole Vive Ensemble qui c'est nouvelle structure ça qui regroupe divers groupes gang dans pays et d'Haïti qui a prôné révolution. Et bien Jimmy Cherizier même il fait qu'on est pouvoir pas et pour aucun monde et quel que soit monde qui pral monter yo doué joindre une entente avec groupe ça qui évident selon un pile monde international là état nation gagné et président américain Joe Biden lui-même qui t'a parlé. Nous pral invité au rete dans la voix de l'Amérique ou pral joindre tout détail sous information nous sommes présentés là. Avant pour nous présenter une nouvelle édition rendez-vous, je dis à ce 8 mars, c'est journée mondiale droit mesdames yo, un jour spécial mandé pour grand monde spécial. Mais Sandra Lemaire avec bon côté moi. Sandra, bonsoir. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde et une salutation spéciale et chaleureuse pour toutes mesdames qui ont regardé nous aujourd'hui. Quel grand point qui a dominé l'actualité? Actualité à concernant le pays d'Haïti, secrétaire d'État américain Anthony Blinken encourage Premier ministre Ariel Henry avec l'autre acteur pour collaborer avec le leader CARICOM pour une transition politique grâce à la création d'un conseil présidentiel. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden dans discours sur l'État-nation défend entre autres démocratie qui pour lui en bas attaque pendant que sénateur républicain Kathy Britt critiquait l'administration président démocrate. Et puis 8 mars, journée mondiale mesdames, thème c'est investir dans la forme, accélérer vitesse. Et c'est pour ça avec l'autre accord nous allons développer pour dans un petit moment Sandra et c'est toujours et concernant pays d'Haïti c'est toujours question et pour le ministre Ariel Henry qui toujours en difficulté et crise politique là continue. Exactement, Jacqueline. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken encouragé Premier ministre haïtien Ariel Henry avec l'autre acteur collaborer avec leader CARICOM pour une transition politique grâce à création du conseil présidentiel. N'a pas retrouvé Valerio Saint-Louis. Selon porte-parole département d'État américain, Matthew Miller, secrétaire d'État américain lui-même, Anthony Blinken, t'es parlé dans téléphone avec Premier ministre Ariel Henry hier jeudi 7 mars, à côté qu'il a parlé de crise politique là, sécurité à crise humanitaire qui a continué à bouleverser Haïti. Porte-parole a rappelé que pendant plus passé une année, les États-Unis ont encouragé Premier ministre Ariel Henry à l'autre partie qui concerne la crise pays là, puis il a arrivé à joindre un compromis qui pourrait mettre fin dans l'impasse politique qui a persisté dans le pays d'Haïti. Semaine qui s'est passée à la crise politique en Haïti, ensemble avec escalade violence, avec agitation, manifestation civile, te créé une situation insoutenable qui menaçait citoyens pays ensemble avec sécurité nationale pays d'Haïti. Dans une conversation par téléphone avec Premier ministre Ariel Henry, secrétaire d'État américain Anthony Blinken t'a exprimé si poli pour une proposition qui t'a développé en partenariat avec pays CARICOM et monde qui gagne intérêt pays pour accélérer une transition politique à travers création d'un collège présidentiel indépendant qui basé sous participation plus secteur vie nationale là pour arriver à diriger pays à dans direction déploiement une force multinationale mission support sécurité et puis organiser élections libres et libres en Haïti. Secrétaire d'État américain a demandé Ariel Henry pour supporter proposition ça dans intérêt rétablir la paix et stabilité en Haïti pour que peuple haïtien capable recommencer mener activité la vie chaque jour sans violence et sans désespoir. Sous même dossier ça, toujours hier jeudi 7 mars, représentant pays CARICOM t'est rencontré par appel vidéo à distance avec secteur société civile là en Haïti. Toujours dans contexte un dialogue pour arriver joindre une solution dans crise tête chargée ça que pays a traversé. Selon une source bien informée qui proche secteur société civile là, mais qui mandé pour rester dans l'anonymat, puis pas cité non li, pays CARICOM justement proposait société civile là pour lui accepter principe un collège présidentiel pour commencer résoudre crise là et bon côté secteur société
civil là, yo prend acte de proposition CARICOM là. Qui veut dire que yo tendez sa CARICOM dit. Mais yo répond puis yo dit que yo ka rentrer dans logique collège présidentiel indépendant pour diriger pays là, mais yo pas accepter cohabiter avec aucun bandit. N'a précisé que représentant pays CARICOM yo a parlé avec plusieurs secteurs politiques qui ont même concerné dans crise pays d'Haïti, yo chaque séparément. En attendant pays d'Haïti t'est resté paralysé hier jeudi après yo l'autre soirée attaque sous plusieurs stations police à édifice public yo, côté que groupe armé qui ont même promettre pour forcer et ben premier ministre Ariel Henry démissionner continuer à simer la troublaille. Bon côté parle premier ministre Ariel Henry gagne déjà 10 jours depuis que quitté pays d'Haïti, mais il t'a semblé situation difficile pour lui pour t'a retourner dans pays. Jusqu'à présent, il t'a semblé que premier ministre Ariel Henry toujours dans pays Porto Rico. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis Washington. Pendant ce temps, dans le pays d'Haïti, le Congrès national Wanament pour une nouvelle Haïti proposait un exécutif avec deux têtes. Côté président, tap sorti dans le coup de cassation, avec un premier ministre qui sorti dans la classe politique. Là. Détail avec Yves Manuel. Pendant gang Ameo a casé brisé dans Port-au-Prince pour exiger démission premier ministre Ariel Henry qui actuellement empêché depuis Porto Rico, parti politique haïtien a multiplié proposition sortie crise. Gain tout qui en discussion pour finaliser document qui selon eux-mêmes ta doué aider dans résolution crise actuelle. Dans sens ça, Congrès national Wanament pour une nouvelle Haïti croit crise qui gain là pas qu'à résoudre en dehors constitution haïtienne. Docteur France Lage. Numéro 1. Choisir un juge à la Cour de cassation comme président provisoire, parmi les juges régulièrement nommés et dont le parcours n'est point sujet à caution. Numéro 2. Désigner un premier ministre de consensus en consultation avec la classe politique, la société civile et le secteur privé des affaires. Numéro 3. Nommer un organe de contrôle du gouvernement de 11 membres, 10 des 10 départements et 1 du 11e département que nous connaissons comme une diaspora. Démarche pour aller dans la Cour de cassation, c'est une démarche démocratique et qui fait sous base consensus. Ancien député Serge Jean-Louis m'a dit toute société a pour porter coller dans projet ça qui selon lui-même pas un projet individuel. Donc pour le la Cour de cassation de l'estime, nous campions et tout le pays a campé les démarches. Ce n'est pas une démarche individuelle, nous pas intéressé, comme dit Ndara, nous avons intérêt personnel. Là, mes amis, notre cafou difficile le pays a traversé là. Nous pas vivre défendre l'intérêt personnel. Proposition yo a pas bougeonné tant que John. Pendant temps ça, gang Ameo a pillé, kidnappé, boulé infrastructure, ça qui mettait capitale haïtienne en tête en bas. Gouvernement a tenté prendre quelques mesures pour reprendre contrôle situation, mais ta ça semblait jusqu'au moment n'a parlé là paraît difficile pour force l'audio. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves. Et pendant ce temps, il y a une réaction qui a sorti à l'étranger sous crise pays d'Haïti à traverser aujourd'hui. Et par exemple, il y a un député démocrate américano-dominicain Adriano Espaillat qui dit qu'il y a un pile qui a sauté Sandra Lemaire. Dans une interview avec VOA espagnol, député démocrate New York Adriano Espaillat, en vendant discours sur l'État-nation président Joe Biden, t'es exprimé qu'est-ce que t'es dit par rapport avec situation Haïti. Naturellement que si, il y a préoccupation. L'état de Haïti est insoustenable. Lise naturellement, oui, nous préoccuper pour situation Haïti. C'est une situation insoustenable. République dominicaine n'a gain droit pour lui protéger frontières et puis craindre pour gang Ameyo pas arriver sous territoire dominicain tout. C'est pour raison ça, le monde doit agir plus vite possible. Député Espaillat, c'est premier dominicain américain qui jamais occupé un siège dans la Chambre député États-Unis. District Nigeria gagne la donne Orlem. Monsieur, c'est tout premier migrant qui était entré aux États-Unis sans papier qui rivait élu dans le Congrès. Monsieur Simon Santiago de los Caballeros, dans la République dominicaine. Il était parlé avec collègue nous, Celia Mendoza. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington.
N'a prêté toujours dans le Congrès à côté que président démocrate là, Joe Biden, eh ben, lui délivré un discours, ça aurait le discours sous état de l'Union, côté entre autres, lui défend la démocratie pour lui qui en bas attaque en d'un pays à tant coup de yo. Il y aura les sous discours avec Sandra Lemaire. Like so many families across America. L'été chita bon tab cuisine lina Alabama, sénateur Kathy Britt te qualifié président Joe Biden comme un leader qui a hésité et qui a diminué. Et puis il était averti sous yon avenir faible américain en bas présidence li nan réplique républicain nan discours sous État-Union jeudi soir. Républicain Alabama nan premier mandat li a, ces femmes qui pis jeune nan Sénat, ete fait yon critique piqué sous président nan année élection. Nous venons tourner une nation en retrait. Avec l'ennemi liberté, yo voyons une opportunité. Agression brutale Poutine en Europe là, te mette alliés nous sur une pente. Terroristes intermédiaires Iran yo, te touye juifs israéliens yo, ak citoyens américains yo. Yo te visé commerciaux et yo te attaqué troupes nous yo presque 200 fois depuis le mois d'octobre. Ça qui te touye 3 soldats américains ak 2 forces spéciales la marine États-Unis. Kounia, commandant en chef nouan, pas dans commande. Monde libre a mérité pis bon passé un leader qui a hésité et qui a diminué. Il était discuté pour dire, pays nous connaît et remet, hein, semblait à glisser aller. Et il était lancé appel directement, ben, maman pareil, Léo, moun l'était dit qui probablement dégoûté à Washington. Britt, yon ancien employé Congrès qui gagne 42 ans, et ses mamans deux petites, était élu dans le Sénat dans l'année 2022, à endossement ancien président Donald Trump. Il était promet pour venir à Washington comme yon maman dans yon mission. Il était rempli un rôle unique dans la conférence républicaine comme yon conseiller pour les deux républicains Sénat, Mitch McConnell, avec yon ancien assistant qui gagne expérience dans le comité affectation Sénat. C'est la troisième année yon de l'autre, républicain ont choisi une femme pour parler avec nation hein, après Biden t'a quitté podium non et Remark Britio te fait écho même vision noire pour l'avenir en bas Biden avec démocratie t'a établi par gouverneur Arkansas Sarah Huckabee Sanders dans l'année 2023 à gouverneur Iowa Kim Reynolds dans l'année 2022. Il était critiqué politique étrangère Biden, non? Il gagne la d'un retrait chaotique dans l'année 2021 en Afghanistan. Et puis, il était parlé tout sur un contrat nucléaire renouvelé avec Iran. Il n'a pas directement mentionné la guerre Ukraine avec la Russie, hein. Réplique Brit, là, qui a attiré attention nationale, là, sur une décision tribunal suprême état qui prend dans le mois février, sous embryon gelé, il y a considéré comme timon d'après loi état. Décision, ça a été bloqué accès à fécondation in vitro dans clinique à travers état. Mais quelques monde t'a dit que t'as recommencé service après législature état, t'es passé législation mercredi pour protéger docteur contre responsabilité légale. Dans le discours, il y a Biden demandé pour gain protection dans tout pays pour pratique là. Dans réplique, Brit est suspendu pour nouveau politique, mais il était répété support et pour pratique là. Il dit, nous voulons aider maman et papa qui t'a remis porter la vie précieux dans mon ça. Brit, qui l'a fait immigration, tout n'est un problème principal. T'es critiqué président tout sur affaire frontière. Il qualifié politique Léo comme yon honte qui était mené plus grand quantité de migrants qui étaient traversés frontières pendant la présidence Léa. Il était noté que Biden t'a mentionné Lincoln Riley, étudiant infirmier Georgia, qui a été touillé pendant le discours Léa, mais il était dit que il refusait prendre responsabilité pour propre action Léo. La police dit yon immigrant t'a touillé Riley dans le pays illégalement. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Donc, merci Marie-Luce, et n'a précisé que ça c'était réponse parti républicain hein, à discours président Joe Biden non, avec sénatrice républicaine État Alabama, Katie Britt. Et t'as qu'on t'a annoncé? C'est normal que dans une troisième année, et président font un discours de contraste. Et son bail qui est toujours fait dans la troisième année, président a toujours fait un discours de contraste. Maintenant, ça veut dire que lui montrer mes visions par lui et lui montrer mes qui visions va gagner sous pas renouveler pour l'autre 4 ans. Alors thème qui était thème central yo côté monsieur fait contraste là, c'est d'abord politique étrangère. Monsieur dans politique étrangère, li boyon Amérique qui pral construire coalition pour capable affaiblir et isoler la Russie et la Chine.
monsieur invité premier ministre suédois pour montrer que l'OTAN a agrandi, l'OTAN depuis le fondé, c'est la première fois depuis un pile temps que yo gagne un nouveau membre et c'est la Suède qui était généralement non aligné, donc son gros victoire de politique étrangère. Et monsieur, ensuite, les sorti dans le thème politique étrangère, là, les tombé dans le danger pour démocratie. Là. Ensuite, monsieur, le sorti dans le danger pour démocratie, démocratie que Trump, lui suggérait que Trump représentait, parce que c'est un discours de contraste. Monsieur tombé dans la santé reproductive pour mesdames, yo. Là, ça, monsieur invité, monsieur parler de Kate Cox, qui était dans salle là. Le monsieur sorti dans santé reproductive, monsieur tombé dans l'économie. Monsieur Dossé, the greatest comeback story never told. Qui ça, monsieur voulait dire? Monsieur voulait dire que c'est pas que le pas réalisant rien, il réalise en pile, mais il n'a pas l'impression qu'il a parlé assez de succès. Li. Et puis le ça, monsieur dressé bilan. Bah, qui est important dans le bilan, monsieur dit 15 millions de nouveaux jobs dans 3 ans. Unemployment et chômage là, et dans le plus bas niveau que lui dans 50 ans, monsieur Dou, 16 millions de monde qui a créé business, ou gain 800 000 jobs dans la manufacture, monsieur Dou, inflation associée de 9%, il est tombé dans 3%, monsieur Dou, que balance des paiements restructuré, au lieu que ou a importé et puis ou a voué job dehors, qu'on y a rentré job sorti en Chine, et puis ou a voué produit dehors, son gros et bilan que monsieur Baitati, monsieur Dou l'a modernisé le système transit pays a high speed internet prix médicaments déficit fédéral là monsieur Dou que li réduit de 1 trillion li pas réduit encore dans l'autre 2 trillions le monsieur sorti dans thème ça monsieur tombé dans droit de vote là la font clin d'œil à minorité yo. Et monsieur parlait de suppression de vote, gerrymandering, que les républicains ont très fort la donne. Le monsieur sorti là, monsieur tombé qu'on y a là, ils font clin d'œil à jeunes, à libéraux, ils parlaient de climate change. Ensuite, monsieur parlait de gun violence, monsieur parlait de immigration. C'était Franley Denis Julien, qui est un analyste politique et un avocat immigration. Et qu'on y a un alloué discours sous État de l'Union avec Joe Biden qui abordait plusieurs points. Un alloué quelque là dedans. Mr. Speaker, the President of the United States. Président Joe Biden prononcé un discours côté les défis critiques jeudi soir dans le cadre tradition politique annuelle côté chef d'État bail point rendu État-nation, State of the Union. Biden prononcé discours à un moment côté ex-président républicain Donald Trump a essayé de reprendre fauteuil bourré. Biden critiqué Trump 13 fois sans lui pas citer nom. Il accusé Trump d'être que lui promouvoir ressentiment, revanche, après pense kiff-kiff, ça qui posait gros risque pour la liberté américaine qui vivent aux États-Unis et dans pays étrangers. I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. Li di mwen pa dénigrer immigrants, ni di que y a empoisonné pays nous. Mwen pa séparer famille, mwen pa interdit moun entre la caillou à cause de religion yo. Mwen pa tant pour rien qui t'est venu en vain. Premier jour mwen sous pouvoir, mwen te introduit le projet de loi compréhensif pour ranger système immigration. Gardez bien, gen an pile bagay mwen fait, sécuriser frontières, disposer au processus pour jeunes gens sans papier, ou les réveillons, les citoyens américains, et gen an pile l'autre bagay encore. Pendant le discours qui était duré 68 minutes et qui était déroulé dans la Chambre des représentants, Biden, qui est un démocrate, a critiqué les républicains sur la politique tant que l'immigration et puis tout, question impôts, droit pour mesdames et faire avortement, avec l'autre question encore. Sandra Lemaire, VOA, Créole, Washington. Donc c'était une idée sous discours président démocrate là Joe Biden qui s'appelait les State of the Union qui c'est discours sous État de l'Union. Mais pendant que le président a parlé, il y a une manifestation dehors. Envoyé spécial non gentil Augustin Junior, t'es sur pour nous manifestation ça.
Ayeje 17 mars 2024 là, pendant président Joe Biden t'a fait discours état nation devant Congrès ya et ak tout peuple américain yan, yon groupe supporté palestinien t'a manifesté contre ingérence États-Unis dans la guerre entre Israël et groupe Hamas là. Protest this genocidal war. Moi là pour protester contre la guerre génocide ça ak utilisation taxe nou yo pour bombarder civils innocents, ti moun ak famille yo. Les l'agent ça te ka utilisé pour prendre soin peuple nou ici là. Les nous demandé manifestants à distance yo là. Est-ce que li pense voix yo a privé dans oreille président? Li te répond comme ça. You may not be listening right li ka pa koute kounya, mais li certainement tande manifestants yo. Et puis dans novembre, c'est pral les élections. Li pral continuer tande voix nous. Comment nous senti complicité ak utilisation de la taxe nou yo pour bombarder innocents dans Gaza, Palestine ak nan tout Cisjordanie? Oui, li pral tande voix nous. Li ka pa koute kounye ya, mais li pral tande voix nous. C'est peut-être ça moins là. Pendant discours li nan Congrès ya pour état nation, président Joe Biden dit États-Unis pral construire yon port pour permettre aide entrer dans Gaza. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Donc c'était une grosse journée pour l'actualité ici aux États-Unis, pour culture politique les États-Unis, en parlant de discours sur l'État-nation. Quand nous parlons dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, mais la prête toujours tout dans l'international, parce que je dis à ces journées internationales, mesdames, nous parlons de ce qui passe dans le pays d'Haïti. Justement, Jacqueline, on t'a dit, Mounio, c'est peut-être ça que yo ouais moi je dis devant caméra. En fait pas. Merci. Alors que d'habitude, nous pas qu'on ouais moi nous contentons, mais nous pas ouais dans le programme là. Et justement, Jacqueline et correspondant nous, Mathia Dovlin, mais dis-nous que Anessa pas gagné un rien qui est fait pour commémorer journée ça, particulièrement dans Port-au-Prince. En gade. Contrairement à l'agence habituée fête chaque 8 mars, qui se joue qui consacré dans le monde pour droit mesdames, yo, après Nations Unies te fin adopté dans l'année 1977, aucune organisation n'a annoncé pièce, activité, réflexion au snow lot sous droit mesdames yo, babo, ici. Depuis une semaine, gang assiégé capitale là, et femme yo, c'est parmi les premières victimes du groupe criminel yo, qui a persécuté la population civile là depuis plusieurs années. Mesdames yo, sibi toute qualité de violence. Et je dis encore, dans le mouvement ça, côté gang yo dit c'est contre pouvoir en place la bataille. Quelques machin nous parlait dit c'est sous yo même comme femme pi fort pour reposer. Hier nègre te vinn là, yo te rale les amis sous nous, mais yo gen moun yo panti kobou. C'est malheureux yo dehors dans révolution, c'est malheureux yo k'ap kouri. C'est malheureux yo nan kouri, c'est malheureux yo caché. Ça vinn sembler effectivement avec ça Reginald Boulos stadium. Que révolution ça c'est pas pour nous, révolution ça est pour blanier. Yo fon pays ya, yo fon ka soufè, yo konnen. Nou radi nou fait tikay nou, nou rada bout kivet. Bout sak nou fait tikay nou, yo mete nou deyò. Nou même nou pa capable encore. Nou mande justice a réparation. Cependant malgré silence autorité yo et puis reste société qui bay plus que cassé, mesdames si la yo toujours descend à chercher la vie et puis affronter violence yo. On peut l'arrêter parce que je ne suis pas bon, je ne suis pas si bon, je ne suis pas papa, je ne suis pas aidé, je ne suis pas maman, je ne suis pas dégagé. Je ne suis pas aidé. Je ne suis pas mort, je ne suis pas vu parce que je ne suis pas une famille, je ne suis pas une famille. Mais ça m'a fait occuper les gens. Je ne suis pas une famille qui a aidé. Je suis très heureux de ça fait me sortir dans la rue parce que je suis avec eux, je suis avec maman, je suis avec papa, je suis obligé de prendre la rue quand même. Oui, malgré nos victimes, si tu es en train de faire un avocat, c'est seulement vous-même, et maman, et papa, il faut sortir dans la rue, il faut chercher la vie, Jean-Lier, il faut obligé de chercher. N'a pas souligné, selon Nations Unies, 56% de monde fait déplacer ces femmes actives. Alors qu'ils n'ont pas qu'à joindre le service des bases, y a vivre dans promiscuité et puis exposé à toute qualité de violence, surtout violence sexuelle. Pas d'avoir aucun garantie pour rejoindre un accompagnement à soins santé qui porte ça qui est arrivé. C'est dans le contexte ça, journée 8 mars là, passé dans Port-au-Prince, sans pièce monde, par contre qui l'est, ça vient mieux. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Villemé pour VOA Créole. Pour nous préciser, Jacqueline, que Anessa, thème journée mondiale et mesdames, c'est investissement dans les femmes. Dans l'occasion ça, nous avons parlé avec Dr. Marie-Marcelle Deschamps, qui saute remporter prix Women Building Peace, femme qui a construit la paix pour toute Amérique latine. Pour lui, femme, c'est un proto-mitant.
si vous avez la femme une chance pour te parler mais devant, vous avez que nous avons l'autre pays, vous avez là-dedans. Donc, moi, je suis là. Docteur Richard, c'est un ama double tranchant et vous la femme. Il dit tout que c'est nous responsables, j'en sais, parce que c'est nous qui avons joué, nous avons éduqué, nous avons pris soin, donc c'est résultat du travail, nous, est-ce qu'ils ont défendu? Ils n'ont pas quitté la femme haïtienne parler, depuis dans l'éducation que vous allez avoir d'accord avant, depuis la conception culturelle là, que après, la femme se met en arrière et l'homme est devant. Et je pense que quand même, là, regardez la clinique moyenne. Le plus souvent, on a dit, bon, d'abord l'ingression, on a trouvé ça original. Mm-hmm. 65% de staff là, c'est la femme. C'est femme que nous, c'est femme qui est l'ingression. L'homme est 30 à 40% sont des hommes. Donc, nous, en majorité, l'ingression. Vous avez dit, pour qui ça? Eh bien, c'est pourquoi l'ingression peut être un succès, parce qu'il y a plus de femmes là-dedans. Après, tremblement de terre en 2010, et on vient choqué par ce qui, tout nous tombé, hein, mm-hmm. Ouais. Mur de ciel tombé, immeuble tombé, tout le monde dans la rue, yon a gardé l'autre a mouru, blessé. Campus principal moyen, était bien transformé là en camp. Là en camp où il y avait des réfugiés. Et moi, parler avec mon qui était responsable, nous avons organisé camp en section, en zone. Et on connaît un monde qui était plus aidé, qui était plus dynamique, c'était les femmes. C'est eux qui te prend avant. Il n'y a pas peur. De remarquer que communauté, et c'est là où est le rôle de la femme, communauté, mais si tu es plus chita, ou bien tu as domino, ou côté derrière, côté musique, et puis c'est mesdames qui ont pris action, qui ont été organisées quand. Mon cher, je suis fier. Je dis, mais il n'y a pas là. On a laissé avec les femmes. Donc, puis il y a une violence sexuelle, tout le sac qui t'a. Boum, en Haïti à l'époque. Violence pas commencé comme ça, nous avons fait le 2010. Il dit, OK, on a organisé quand avec la publicité étiquée, une femme par famille, et c'est eux qui chef zone. Et si vous avez agression, vous avez un sifflet. Si vous avez un garçon qui vient sous pour agresser sexuellement, vous avez un sifflet à combattant. Mon cher, nous n'avons jamais de problème ça encore longtemps. Là, vous connaissez que toutes mes dames sont organisées à bâton, à sifflet, toutes mes sœurs sont en lieu. Et tout de suite après, on dit que l'éducation est importante. Ça veut dire que lors printemps, ou passer ce message-là, et pour intégrer l'éducation dans la santé, tu crées un autre monde. La traversée Miami Kounia avec Luxon Saint-Ville, qui t'a parlé avec femme qui a fait commerce dans un petit marché ou marché public dans Fort Lauderdale. Zazu Rozo Universel a vend nan ti marché Fort Lauderdale Florida depuis 24 l'année. Maman trois petites ça qui campait sous des pieds sorti 9h rivé 5h après-midi très connu nan marché ça. Courage, détermination, patience pour Zazu, femme c'est véritable potomitan dans toute société. Et potomitan même là que nous gon garçon bon côté, mon gon garçon bon côté, c'est vrai, même senti me fier, là me sorti chaque jour mal travail, m'a rentré avec quotidien, ça veut dire que yes, Marie m'a porté, même m'a porté Timonio bien vivre. Même Jacques Zazou gagne une série l'autre femme qui goumet en pile pour réussir la vie. Moi j'ai 10 ans dans Timachi. Moi vends cosmétiques, chaudière, bombe. Julienne François, 60 l'année, gagne 5 petites. La vive États-Unis depuis 30 l'année. Depuis Julienne t'es jeune femme la fait business et li coincé la donne la privée. Malgré fatigue, Julienne dit déterminé pour continuer combattre avec la vie. Si c'est un monde qui travaille, il dit 4h, je me lève, obligé de lever à 4h. Mais le businessman était businessman, je viens là à 7h30, je sorti là à 6h du soir. Je suis fatigué, mais plus que ça, tête, je travaille, je me sens fier. Fatigue là même, l'aile ensemble, ce n'est pas tellement grave parce que ça, tête, je travaille et je me ça. Notre ennemi, nous nous tombons sous Linette, lui qui lui-même, pas gagné en pile temps la vente dans le marché. Moi j'ai 5 petites. 4 filles en garçon. Dame ça qui gagne 52 l'année, croit en pile dans fait business. Depuis à 12 ans, m'a fait commerce. C'est ça que faire. Tout rêve moi c'est pour mon grand business. Malgré elle petit rêve moi c'est pour le plus gros parce que c'est avec commerce là m'adapter li ensemble. Femme voyant ça yo qui fait commerce depuis longtemps. Voyez message bay toute société ya. Na occasion journée mondiale droit femme yo.
mesdames qui Haïti yo, sel bagay m'ap voye di yo. Point courage, la vie pas finie, continuer bataille sa gen mari, kembe mari nou. Bon côté nous, pas la gen mari nous, sak pa gen mari, c'est nous seul nous qui vive avec petite nous, toujours mettez dans tête nous gen espoir. Message m'gen pour mesdames yo, travail c'est travail, travail c'est liberté. Mais pour moi même, liberté c'est business. Bon, pas le monsieur shooter sur moi. Même juste, pas vle yo chute sou mwen. Mais c'est occupé petit yo. Même là que yo pa bay, kob, jan yo ta dwe bay, parce que la vie en vindu, mais l'essentiel nan, c'est prendre responsabilité, occupé ti moun yo. Depuis Fort Lauderdale, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Mes amis, c'est un plaisir. Bonne fête tout le monde, bonne fête mesdames. Yo. Sandra, merci. Merci Jacqueline. Merci vous-même tout. Voilà, c'est un plaisir pour nous être ensemble et bonne fête toutes mesdames. Massado Villemé, Marie-Luce Pierre, nous disons bonne fête. Bonsoir tout le monde et à la prochaine. Bon week-end.